retour dans les vestiaires avec le nouveau champion du Fight Addict Championship, puisqu'il a remporté son titre face à Maolit. Alors exprimez-vous, messieurs, pour cette deuxième entrevue, parce que là, vraiment, il a encore régalé la foule. Bah, Mehdi, il a vraiment bien écouté les consignes. On avait pour thème du combat, encore une fois, le déplacement, travailler sur la distance, gérer lui-même le rythme, faire tomber et travailler au sol. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc il a montré que malgré son jeune âge, il n'a que 20 ans, il est déjà capable de conserver un game plan et de le mettre en application. Donc c'est hyper positif. Et puis je pense que c'est déjà sa deuxième ceinture là, cette année, puisqu'il avait déjà fait le Naga et il avait ramené une ceinture du Naga. Donc je pense que ça va continuer comme ça. Je ne sais pas si on va continuer sur le format des tournois, parce que je trouve que c'est quand même assez difficile. Et maintenant, il a fait ses preuves là-dessus. Donc je pense qu'on le reverra sur des single fights très rapidement. Bah c'est tout le mal qu'on nous souhaite, parce que vraiment ce soir, c'est vraiment la révélation de la soirée. Merci pour les prestations de ce soir. Merci pour la gentillesse et l'interview. Merci à toi. Merci. Et à très très bientôt, messieurs. Remontre-nous ce beau titre. Il est là et il reste à la maison. Bravo à vous, bravo à Nice.